Fabrice, comment devient-on tatoueur? Le tatouage, ça prend pas en école. Hein, donc, d'abord la passion du dessin, je pense. Enfin, ce qui est mon cas, hein, la passion du dessin. Et ensuite, on se fait tatoueur soi-même, hein, avec le temps, l'expérience. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident parce que justement, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre. Donc, chaque tatoueur a sa façon de travailler. Et voilà quoi. Pour être un bon tatoueur, d'abord toujours envie d'aller plus loin, toujours jamais se stabiliser dans un style ou rechercher toujours mieux, toujours se remettre en question. C'est quelque chose qui est jamais gagné, quelque chose qu'on n'arrive jamais au bout, quoi, en fait. Et tant que le jour où on estime qu'on est au bout, je crois que ce jour-là, on peut arrêter le métier, quoi. C'est comme le dessin, en fait, ou la peinture. Il faut toujours essayer de se surpasser, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident, voilà. D'abord, on n'arrive pas, si vraiment on veut être honnête, on n'arrivera jamais au bout de son objectif, hein.